Assemblée nationale, des et non pas une session extraordinaire. Des projets de loi organique seront soumis à l'Assemblée nationale durant sa prochaine session extraordinaire qui devra débuter demain. D'ores et déjà, une autre réunion extraordinaire profile à l'horizon, étant donné qu'en vertu des dispositions légales, un projet de loi organique ne peut être adopté que 15 jours après sa soumission. Il y a un décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire qui commencera donc à partir de demain 30 juillet. Et l'ordre du jour est fixé au nombre de 13, en l'occurrence l'élection des membres de la HEC élus par l'Assemblée nationale et l'élaboration et le vote de 12 lois, dont de lois organiques. Et voilà, l'ordre du jour la session extraordinaire durera 12 jours comme le prévoient les textes en vigueur. Est-ce que les 12 textes, pendant les 12 jours, ne seraient pas un peu lourds pour l'Assemblée nationale, qui ouvre une voie à une nouvelle convocation d'une session extraordinaire, à part les 12 jours qui ouvriront demain ? Effectivement, les 12 jours seront relativement courts par rapport au nombre de lois qui vont être votées. Mais je tiens à souligner qu'il y a deux lois organiques qui devraient être votées pendant cette session extraordinaire. Mais selon les dispositions constitutionnelles, les lois organiques ne doivent pas être votées avant dans les 15 jours de leur dépôt. Donc je pense que les deux projets de loi organiques ne seront pas votés pendant cette session extraordinaire. Donc cela nécessite donc une deuxième session extraordinaire pour pouvoir voter ces deux lois organiques. D'autant que le projet de loi sur les élections communales n'a pas encore été présenté devant le Parlement.